Claude Guillemot, vous êtes le chef de chœur de la chorale La Gervanne, ici, dans la Drôme. Qu'est-ce qui inspire un petit peu votre répertoire ? Oh ben c'est la chanson française. Hein. Bon, j'ai un sentiment que tout le monde aime ça. Les choristes, d'une part, les publics, d'autre part. Donc, en fond, ouais, et puis moi, ça me convient bien aussi. Donc, on fonce dans ce domaine. Alors, c'est des chansons dont beaucoup relèvent de vos harmonisations ? Pas toujours. Bon, soit je trouve une harmonisation qui me convient, soit j'essaie d'en fabriquer une ou d'en modifier une pour qu'elle soit abordable pour nous. Alors, comment se comportent un petit peu vos choristes qui sont tous issus d'un certain nombre de villages autour de Cré ? Ben, c'est vraiment des amis pour moi maintenant. Ce n'est pas des choristes, c'est des amis, je dirais. Ouais. Donc, content pour très, vous de... Très bonne ambiance, tout le temps, on se fait des bouffes de temps en temps, les anniversaires, etc. Donc, voilà. Et puis, vous produisez quand même assez souvent dans l'année. Je crois l'année en 2015, 13 concerts. Oui, 13 concerts en 2015, oui. Bon, c'est un petit peu exceptionnel, je dirais, mais bon, cette année, on en a fait moins pour le moment. Vous avez des projets ? Voilà. Bon, le prochain concert, ça risque d'être pour la messe de Noël à Beaufort, dans la salle d'animation, comme on le fait depuis quelques années déjà. Alors, cette fois-ci, avec des chants plutôt du répertoire de Noël. Voilà, tout à fait.